Et bonjour à tous, bienvenue sur Mind Test for Fun. Alors on se retrouve sur la carte pour le moment pour regarder un petit peu la tour Eiffel où elle en est. Donc on voit que c'est juste gigantesque. J'ai toujours pas abattu les arbres là parce que bon j'ai pas encore pris le temps tout simplement. Par contre j'ai bien fait avancer déjà la tour. Ici on a mis j'ai déjà mis 6 cadres sauf erreur. Enfin, j'appelle ça des cadres parce que c'est vraiment des carrés en fait qui servent un peu de point d'appui pour toute la structure. Par contre, j'ai pas encore mis à part tout en bas, j'ai pas encore mis toute la déco qui va à l'intérieur. Ça viendra dans un second temps parce que je suis rendu compte que c'est plus facile d'abord de faire la structure et ensuite de mettre la déco, ne serait-ce que pour éviter de faire des petites erreurs par-ci par-là. Voilà, mais avant d'aller continuer, puisqu'on ira voir le pilier qui est au sud-ouest, juste là en bas, avant d'aller continuer ça, on va d'abord faire un petit peu de théorie. Le but étant que vous puissiez vous faire vos propres plans, si possible à partir d'images trouvées sur Internet, et ensuite, ou de photos que vous prenez, hein, d'ailleurs, ça marche aussi, et vous puissiez faire vos plans et ensuite construire ce qui vous fait bien plaisir. Alors, sans plus tarder, on va changer de page, on va aller voir ça ici. Alors ça, c'est un schéma très magnifique que j'ai fait de la tour Eiffel en vue d'en haut. Le but étant de s'intéresser au fait que chaque pilier, il a un extérieur et un intérieur. Vous allez me dire, oh, mais là, tu nous dis des choses triviales. Oui, c'est vrai. C'est assez logique, hein, je veux dire, voilà, intérieur-extérieur. Donc chaque cadre a son intérieur et son extérieur. Ça paraît toujours aussi trivial, mais ça devient très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire, si on regarde de plus près, pour un pied, qu'on a deux faces intérieures et deux faces extérieures. Tout ça, ça nous permet, ça va nous permettre de dire une chose. Si je suis au niveau de ce coin rouge, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que un bloc que je dois poser à cet endroit-là, il faut que je regarde du côté intérieur comment il va se poser pour pas dépasser vers l'extérieur, et du côté extérieur pour pas qu'il aille trop vers l'intérieur. Alors, comme je dis ça paraît peut-être pas très compréhensible, alors on va plutôt faire un exemple, hein, ça sera peut-être plus facile à piger. Alors voilà, si j'ai mes deux trucs comme ça, d'un côté j'ai l'intérieur et de l'autre côté j'ai l'extérieur. Alors on va faire ce petit plan là en vitesse, ce sera juste un bloc de dirt et un bloc de cobble, juste pour voir comment on met ça. On se retrouve tout de suite sur Mind Test. Ok, alors nous sommes dans mon usine, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu. Je suis pas tellement retourné en fait, ma MFF me prend beaucoup de temps et puis finalement je trouve plus fun de construire en survie qu'en créa donc voilà, j'ai pas fait grand chose ici, mais c'est l'occasion. Alors on va supposer que ceci est le centre de la tour, enfin à voir qui serait beaucoup plus haut, et on va regarder d'après notre plan. Notre plan il nous dit quoi? Il nous dit je suis à l'extérieur, si je suis à l'extérieur, je dois mettre une dirt, tac, et une cobble, l'une sur l'autre. Alors ça joue, on est d'accord. Ensuite, il me dit, si je suis à l'intérieur, je dois placer une dirt. Et ensuite, je dois en avoir une cobble comme ça. Voilà. Mais maintenant, si je viens regarder depuis là, là, je suis sur une façade intérieure. Et là, ils sont verticaux les deux, donc il y a un petit souci. Donc en fait, ma cobble, on va la décaler d'un cran. Voilà. Et là, ça joue. Pourquoi? Parce que quand je regarde comme ça, on va éclairer pour y voir quelque chose. Voilà, quand je regarde comme ça, je suis bien en oblique vers l'intérieur, comme demandé. On va se retourner juste pour que ça corresponde au schéma. Voilà. Et si je suis ici, c'est la même chose. Je vois bien que je vais vers l'intérieur. Maintenant, il nous reste les deux dernières. On a un côté extérieur et un côté intérieur. Alors là, il s'agit de pas de se planter. La première, la dirt, c'est toujours pareil. On sait où on la met, on est content, tout va bien. Maintenant, ici, de ce côté-là, je dois l'envoyer vers l'intérieur et avoir un côté extérieur. Donc,
Depuis un côté, ça doit être vertical. Et depuis l'autre côté, ça doit partir vers l'intérieur. Une autre manière d'aborder le schéma pour être sûr qu'on est juste. On va le reprendre et en fait, on va le déformer. Regardez bien. Tadam! Ensuite, on le duplique de l'autre côté et on sait quelle forme on doit faire. Voilà, on est content. Parce que de ce côté-là, on est à l'intérieur et on voit que ça part vers l'intérieur. Et là, je suis sur une vue extérieure. Et de nouveau, je vois qu'il est vertical. Donc, je suis content, ça correspond à mon plan. Voilà, donc c'est pas forcément évident. Par contre, ça permet de faire un plan très simple à dessiner. Et qu'on peut pas louper en fait. Parce qu'après, si je me trompe et que je vais dans le mauvais sens, je me rendrai très vite compte que le nombre de cases correspond plus. Si je dois mettre un cadre juste au-dessus là, je vois tout de suite s'il fait un bloc de moins parce que je vais compter mes blocs. Donc voilà, c'est pas trop mal, ça permet d'éviter beaucoup de petits soucis. Mais de nouveau, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Voilà, et maintenant on va regarder vite fait le plan. Voilà, boum! Alors ça, c'est un gros plan. Il a été fait à partir d'une image que vous allez voir apparaître juste maintenant. Et en fait, tout simplement, j'ai pris cette image, qui était une image de tirée sur Wikipédia. J'ai réduit la taille de l'image, je l'ai mise aux 125 de large, puisque c'est le but, c'est d'avoir 125 de large. Et puis ça me fait 320 pixels de haut. Quelle coïncidence heureuse! C'est parfait, puis ça correspond à la taille de la tour Eiffel. Et comme j'ai mes 125 points de large, finalement, ben, en agrandissant à fond, ça me fait 125 blocs. Après coup, si je prends l'image puis que j'agrandis un peu dedans, l'image brute, réduite, je me rends compte que ben, c'est quand même pas très très. C'est pas très facile à lire comme plan. Il y a plein de pixels qui sont gris, il y en a qui sont blancs, enfin, on sait pas trop, c'est un peu bizarre. Donc après, je me suis amusé à refaire tout ce schéma au stylo sur une feuille quadrillée. Ça passe très bien, c'est très facile. Et bizarrement, en tout cas pour tout ce qui est montée des pieds, je n'utilise que ça et ça me suffit. Concrètement, bah, j'ai la façade extérieure, la façade intérieure, donc j'ai plus qu'à les combiner comme il faut. Après, je sais que j'ai une petite subtilité ici puisque la façade intérieure-intérieure, je fais un petit peu différemment. Mais ça, je le sais dans ma tête, donc. Voilà, c'est bon pour moi. Et puis ensuite, ben, je sais que j'ai mes cadres carrés, qui sont donc toutes ces lignes horizontales, et qui ne vont pas jusqu'au bout, hein, puisqu'après, là, on a toute une zone où une espèce de plan, en fait. Une zone plane. Un plan. Enfin bon. Du coup, là, j'indique la taille des carrés, et je sais que mon carré sera toujours du côté extérieur puisque l'intérieur est enfin il y a cette zone décorative qui ne porte pas du tout la structure en fait où bah justement on pourrait simplifier ça en disant que c'est une plaque voilà et puis ensuite ben je l'ai pas fait plus loin que la moitié tout simplement parce que j'ai l'axe de symétrie qui est juste à côté en fait il est là. Au début, je croyais qu'il était sur le premier carré, mais il est juste à côté. D'où le fait que j'ai ma grosse flèche marquée axe de symétrie et des petites flèches qui disent non, en fait, c'est là, c'est à côté. Enfin bon. Et puis voilà. Et du coup, si on regarde, ben, tout en bas, j'ai la zone plate en cobble, la zone du socle avec le petit shop. Et puis ensuite, ben, voilà, il n'y a plus qu'à monter quoi. Ok, alors maintenant, du coup, on va mettre tout ça en pratique sur le fameux pilier sud-ouest. Et on se retrouve donc dans Mine Test for Fun. Hey. Alors voilà ce qu'on a déjà construit de la tour. Donc on commence déjà à avoir un bout de l'arc là, qui va venir de l'autre côté. Il y a le premier cadre. Oui, là on se promène, on est au niveau de l'usine.
On te regarde un peu plus près depuis le séquoia géant qui est juste là, puisque quelqu'un a eu une très bonne idée. Il se trouve qu'il y a là-bas une échelle qui permet d'accéder pour monter, pour aller voir comment ça se passe là-haut. Aïe. Alors. Pom 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 pom. Voilà. Alors déjà, vu du pied, c'est assez drôle. On a l'impression qu'elle est complètement penchée, et c'est assez normal en fait. Ça m'avait aussi surpris la première fois que j'avais été voir la tour Eiffel pour de vrai, quand j'étais petit, parce que ben, je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup plus droit. Et en fait, non, ça penche pas mal. Mais là, si on vient depuis là-haut, ça reprend à peu près les proportions qu'on connaît dans tous les schémas, toutes les photos en deux, où c'est en 2D en fait. C'est-à-dire qu'on voit souvent en bas. Voilà, et puis on peut aller voir de plus près. Aïe! Ça, c'est fait! Oui, non, je sais pas pourquoi je pensais que je survivrais à cette chute. Il faut pas me demander. Alors, on va récupérer tout ça. Voilà. Bon, je crois que je dois avoir tout normalement. Alors, on va venir voir par ici. D'un peu plus près quand même à quoi ça ressemble. Voilà. Et ça c'est vraiment le souvenir que j'en ai en fait. Une tour où tout est très penché tout de suite. Et puis effectivement, bah, j'ai suivi mon plan à la lettre, comme j'ai montré, et sans me planter, contrairement à mon schéma explicatif de tout à l'heure. J'ai quand même réussi à me planter sur la tête des pieds, hein, ça faut bien le dire. Voilà. En cas de chute, pensez à agiter la main pour dire au revoir, vous aurez le temps parfait. Alors, on va monter là. Je pense que je vais garder cet escalier-là. Ça correspondrait en fait aux lignes d'ascenseur qui montent jusqu'au premier étage. Peut-être au deuxième. Je sais plus si c'est les mêmes qui montent au deuxième après ou pas. Enfin bon. Alors, tac. Et on va même aller voir un peu plus près. Ah, mais est-ce que c'est beau avec cette belle carte graphique? Allez. Boum. Voilà. Comme ça, on peut même avoir un aperçu un peu étonnant. Oh! Une araignée qui spawn. Ah, d'accord. Un bois de jungle. Elle spawn dessus. Mais barre-toi! Le combat au sommet contre l'araignée gypsy qui monte à la tour Eiffel. Voilà. Au revoir. Ok, alors je note. Celui-là, c'est pour marquer l'axe de symétrie, en fait. Je note, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Alors maintenant, on va sauter en bas et on va aller en direction de l'autre côté. Taïo, taïo! Et voilà. Alors ça, c'était pour abattre les arbres. Hein. Aspirer directement les tuyaux. Comme... Typiquement, il y en avait un juste là, donc on a un tuyau pour aspirer. Aspirer le bois pour le mettre directement dans les coffres. Allez, on va sortir de là. Ce qui est assez drôle, c'est que en fait, il y a plein de gens qui m'ont donné plein de jungle wood, du bois, et je commence à me demander même si j'en aurais pas trop pour faire l'ensemble de ma construction. On verra bien en temps voulu. Hein. Alors on va arriver là. Ce qu'on va faire en fait cette fois, ça va être juste poser un cadre de plus. Je pense que ça sera déjà pas mal. Parce que le temps d'épisode après, je vais pas nous faire non plus des épisodes de 14 heures où finalement pendant les 14 heures on a 13,5 pour s'endormir. Voilà. Alors on va monter là, monter là. Ah, pour monter un bloc ennemi, il faut juste appuyer sur majuscule en même temps qu'on monte, mais ça marche très bien. Ok, donc je vais reprendre mon petit plan. Mon petit plan, il me dit que, étant donné que je suis tout à l'extérieur, faut que j'ai un cran à l'extérieur, un cran intérieur et un cran intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai? Oui, j'ai. Voilà, alors je vous présente l'échafaudage autodestructible. C'est absolument parfait pour ça, hein. Je mets juste une feuille et puis voilà. Comme ça, j'ai ce qu'il me faut. Il n'y a plus de luminosité, il n'y a plus de lumière. On en remettra au montage. Tac. On monte un deuxième étage et ensuite on revient un cran à l'intérieur. Alors de nouveau. Pour venir un cran à l'intérieur. Tac. Et deux. Voilà.
Alors, ouais, ça on est pas obligé de les reprendre, hein, mais donc à faire. Ah, majuscule. Voilà. Bon, bah là je suis quand même embêté, donc non, il n'y a pas de truc. Bon, bah je suis bon pour les reposer, voilà. Autrement dit, je n'ai rien gagné. Ok, voilà. Et puis ensuite, maintenant qu'on est là, on doit faire un carré de 18 par 18. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18. Et là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aïe! Je ne sais même pas pourquoi je suis tombé. J'ai dû lâcher majuscule un dixième de seconde. Donc le sneak pour rester vivant. Alors, c'est pas grave, on va remonter. Tac. Oui, les fail points, allez-y, là, faites-vous plaisir. Ah, ça va, le jingle du fail point plaisait bien à MG, et du coup, il m'a demandé de le lui fournir. Ce qui fait que normalement, on devrait l'avoir en jeu dans pas très longtemps quand on fait une bêtise. Ça, c'est assez cool. Alors, on va faire comme ça. Alors, on est parti. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est parfait. Il faut quand même tout recompter toujours une fois. Je veux dire, recompter une... J'ai compté bah, de chaque côté. Je pourrais taffer ne pas compter sur le dernier, mais si je me suis planté une fois, ben ça me fait une sécurité comme ça. Et Dieu sait si je me trompe. C'est une horreur. Alors maintenant qu'il est posé, je recontrôle. Normalement, là, je devrais être à 2 d'écart. Il y a là, il y a un et le deuxième. Donc on est juste. Mais ce que, si c'est pas beau, ça. Voilà. Et puis ensuite, on va aller poser la déco parce qu'il y en a un petit peu. Bon, zut, hein, je vais faire comme ça pour l'instant. Pom pom pom. Ouh, bah j'en ai plus. Et j'entends des bruits de bois. Ah ouais, il y a un tree monster là. Salut toi. Tu sais que t'as une sale tête avec tes yeux jaunes. Ouais, c'est à toi que je parle. Aïe. 30 points de vie. Le monstre. Ouais, j'ai renoncé. Tiens, est-ce qu'il y a un bonus d'attaque avec la hache? Hein? Ah, ça fait deux de dégâts. Voilà. Ça c'est fait. Oh, des pommes. Ça sert à rien. Des pommes et un jungle sapling. Bon, bah c'est cool. Alors voilà, du coup, j'ai posé mon escalier. Ça marche exactement pareil pour poser les petites décorations. Hein. Je vais vous remettre le. Oh. Voilà, alors lui, on va l'enlever. Pour mettre ça, c'est exactement la même chose hein, mais que tout à l'heure. Ce qui est valable pour des blocs pleins marche aussi pour des petits blocs. Et après, il faut juste regarder s'il doit être plat ou pas, mais. C'est pour ça aussi qu'après il y a les deux premiers où c'est vraiment enfin les deux premiers cadres où c'est il y a de la jolie déco comme ça puis ensuite ce sera au bloc plein pur parce qu'on va pas on en a pour des heures et des heures sinon pour tout décorer et faire tout joli. Enfin, on verra peut-être après coup mais de base je dis non quoi. Je dis non, on verra plus tard. Voilà. Alors, et sur cette vue de la tour Eiffel que l'on voit un petit bout de l'autre côté. Depuis l'intérieur de la tour Eiffel, tour Eiffelception, eh bien, je m'en vais vous souhaiter le meilleur pour vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne ou à parler de moi autour de vous, ça fait toujours plaisir, et surtout si ce que je fais vous plaît, bien sûr. Sachant qu'actuellement, le nombre de vidéos vient de rattraper le nombre d'abonnés.
Je me fais pas de soucis, hein, les vidéos vont continuer de toute façon, mais c'est vrai que ce serait cool si on arrivait à avoir un peu plus d'abonnés que de vidéos, quoi, ça donnerait l'impression qu'on a une certaine continuité. Enfin bon, voilà, je vous laisse, à la prochaine, ciao tout le monde!